Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve au King of Clastre à côté de Saint-Quentin sur Haucourt-le-Grand. Là je suis avec Totor et on va passer la journée ensemble. Petit vlog, on va vous filmer des runs sur 400 et 800 mètres. Donc je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Eh, c'est pas pour les écolos ce qu'on va filmer hein. Je vous le dis tout de suite hein. Pouah pouah pouah. Elle est monstrueuse. Une voiture de papa ça. Monstrueuse la voiture. Cobra Kai, les gars vous connaissez sur Netflix. Cobra Kai, bah si c'est ça hein, c'est celle-là. Ah bon. Et ça c'est quoi ça? M6. Ah c'est marqué dessus. C'est oh. Bien Teddy, merci. Teddy, ma petite encyclopédie de véhicules pour éviter que je dise des conneries. Dans l'agriculture, moi j'ai Clément, lui il a Teddy. Vous entendez le bruit là? On va aller voir après. T'as les écolos, ils sont. On va demander l'accréditation avec Totor. Ouais. Donc là les gars, on est là sur la piste pour le WRC et autre RS. T'as vu la Toyota là? Bah c'est la nouvelle Supra. Hein. Derrière la verte, c'est une RS3. Je sais pas, je connais pas Audi. Là-bas c'est une Mégane 4, ça c'est sûr. Non, c'est une Clio 4 ça. Là-bas. C'est une Clio? Ah ouais, c'est une Clio, regarde. Bah là, ça y est, les fans de Renault ils vont me tuer. T'es dans la sauce là. Elle est trop belle la nouvelle Supra. Boiserie, il en a fait gagner une comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Dans son concours de 10 voitures, 10 ou 15 voitures là, je ne sais plus. Oui, oui, bien sûr. Oui. Si la vidéo elle perce, on vient l'année prochaine avec une moto, on l'avait déjà dit. Ouais. Hein? Regardez les gars, c'est quoi comme voiture ça, Tony? Des R8. Des R8. Il y a du level hein, cette ouais. année. L'année dernière, il n'y avait pas de si belle voiture. Il y a 2 ans, j'avais fait avec la MT. Et il y avait G3 Adrien avec sa GTR déjà. Bah, j'aimerais bien voir lui, G3 Adrien. Il y avait une R8. Il y avait une R8. Ah, mais là, il y en a deux. Là. T'as vu pourquoi ils sont venus vers ici? Ils ont dû se tromper de l'accès. Je sais pas, j'ai jamais vu. Bah, toi, tu l'as déjà fait, toi. Ouais, je l'ai déjà fait. Normalement, c'est là-bas. Ils se sont peut-être trompés ou peut-être les gars qui les ont indiqués, peut-être qu'ils se sont mal. Il les a mal dirigés, tu sais. Ouais. Je pense. Les gars, petit pouce bleu, petit abonnement et petit partage. Eh, soyez pas vaches, bordel, sinon on va pas bouffer des cailloux. Bon allez là, moi je veux voir un départ, je veux que ça fasse. Tu vas voir, ça va faire. L'année prochaine, je viens avec l'express si jamais j'ai un. Rigole pas, on peut le préparer l'express. Hein. Je change de moteur. Il me faut un partenariat avec Max Pilling Road. Un gros turbo comme ça là. Imagine la boiserie, voit la vidéo, il est chaud là avec ton projet express. J'aimerais bien, ouais, mais non, mais j'en rachèterai une un peu plus fiable parce que les miennes elles sont malades. La boiserie viendrait à un événement comme ça serait le souk. Ouais, ce serait même trop. C'est pour ça qu'il vient pas des événements comme ça, je pense. Ah tiens, ça y est, ça démarre. Toyota. Que notre ami boiserie a fait gagner. Ah, c'est pas ça là. Ah, j'aime bien ces journées là, je te jure, je kiffe. T'as vu, t'es un bébé toi. Regarde, il y a un plus gros appareil. Ouais, mais eux, ils font de la photo. Oh, le bruit. Je te jure, ça me donne envie de chialer d'entendre ces bruits-là. RS3. Il est joli, le covering vert. Là, le monsieur, il est en train d'expliquer que les 4 petites lumières vertes s'allument. Il peut partir. Ça, tu l'avais fait, toi, ça? Ouais, je l'ai fait, ouais. Il sert de mon frangin. À la manutention. Et Clio 3 de bien préparer elle. Bah alors Toto, on a la manutention. Eh, hey, je m'intègre tellement bien qu'on me prend pour le staff, tu sais. À la fin de la journée, je vais me retrouver dans une voiture comme ça. Patine. Ah, elle fait que de patiner. Ouais. Il y en a certains, ils s'amusent à mettre de la colle. Je sais pas s'ils ont le droit de le faire là. Là ici, sur cette journée-là, dites-nous en commentaire, mais il me semble que non. Ah, tu sais, t'as déjà vu ceux, ils soulèvent leur voiture et ils mettent des sticks. Ou alors il y en a, ils mettent du WD-40. Ouais, colle, pour que ça adhère plus fort. Ouais. Ah, celle-là par contre, je veux la voir tourner depuis un moment. Ça c'est quoi, une M3? Moi je pense que c'est une M3, je pense. Ouais. Oh le bruit, je te jure, ça me ferait chialer, j'adore. Elle cartonne elle. Oh, je sais pas si c'est lui. Parce qu'on en a plusieurs. On va bien faire ça moi, ça me plairait. Imagine une express préparée. Ah regarde Lucas. Il est où Lucas? Son triomphe. Ça compare à toi? Ouais ouais. Bah c'est Lucas Gauthier. Eh ça cartonne quand même. Ah ça on aime ça. Il est petit son échauffement. Chaud 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 là. C'est un Kawasaki Z1000? Non, t'es fou, c'est pas un Z1000. C'est une H2? H2. Ouais, ouais, c'est Z-H2. Oh, oh, les frissons, mon pote! Elle est belle, celle-là. Ouais, c'est magnifique. Bah, c'est Lucas. Il roule avec toi, lui? Ouais, il roule de par moment avec moi. T'as vu, il a changé son échappement. Maintenant, il a mis un arrow. C'est bizarre. Elle fait plus de bruit, sa moto. Wheeling. Ça me fait dresser les poils des fesses. Ah ouais, ça laisse tomber. Ça là est belle aussi. Magnifique.
j'adore. Mitsubishi, c'est ça, Mitsubishi, non mais tu regardes trop Naruto toi. Ah les gars ils sont concentrés quand même hein, quand ils font ça. Ouais. Oh, on doit bien préparer. Boiserie c'est pour toi. Ah il crache du truc, il crache de l'essence. Ouais. Allez surpréparé. Lui il va en plier lui. Comment ça marche là? Là c'est un par un, vas-y explique-le un petit peu. Là en gros les voitures elles partent là-bas en bout de piste, elles attendent et à chaque fois qu'en fait elles ont dégagé la zone d'accélération, il y a une nouvelle moto, une nouvelle voiture qui arrive pour la sécurité des gens. D'accord. Ça s'arrête pas, écoute. Ah ouais, c'est très poussif. En fait, merci, ça te choque pas, tu vois, c'est pas... Bah, le couple, il est là, mais ça a vraiment arrivé à 7-8 000, c'est poussif. Bah ouais, toi, tu peux le savoir, parce que tu l'as déjà essayé par rapport à celle à Thomas, oui. Ils font du V2, là. Ouais, voilà, V2, 1 contre 1. C'est quoi, c'est un Kawasaki? Ça, c'est un Z1000, Jean-Paul. Ouais. Contre quoi? C'est quoi, ça, là-bas? Ça, c'est un un Z. Enfin, un ZX, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un ZX. Ça doit être un ZX 10R ou alors un G... Oh, je sais pas. Oh, ça tue, les petites lumières. Tu les as vues? De quoi? Les petites lumières sur sa moto, là. Sur le côté, on regarde en bas. Ah oui, ouais, on le voit, je ferai un zoom. Ça va? Ça va. Encore une fois, il s'est fait reconnaître. Encore une fois. Ouais. Regarde, du coup, c'est là, t'es la star. Là. Bah, je l'ai. Ouais, bah, trop tard, je me suis pris trop tard. Il n'y avait plus de place. Mais l'année prochaine, si on peut, on vient à deux. Ouais, si tu veux, ouais, mais il faudra que tu investisses dans un équipement full cuir, quoi. Oui, et un équipement full cuir, et on vient avec un plateau. Hein. Les motos, elles viennent sur le plateau, parce qu'après une journée comme ça, à mon avis, ça doit être bien fatigant. On doit être crevé à la fin de la journée, et j'ai envie de repartir tranquille en voiture. La testostérone, elle est là. Ouais, ils sont chauds, les gaillards. Regarde, ils se bouffent du regard. Je vais te manger, tu vas voir. Bah, le Z1000, je pense qu'il va se faire bouffer. Ça veut pas dire. Oh, si. Oh, si. Après, dans les courses comme ça, c'est aussi beaucoup de pilotes. Hein. Ouais, je sais, mais il va se faire bouffer. Déjà, au niveau de l'appui du sol et tout, regarde lui, il est hyper en hauteur comparé. C'est un ZX. Ouais, tu vois, j'avais un ZX 10, hein, j'avais raison. Oh là, les gars, c'est vraiment une course. Hein. Ça c'est quoi ça? C'est un SV, c'est Suzuki ça. Allez, un SV 1000S. C'est un monocylindre? Il n'y a qu'un seul, il y a qu'une seule sortie? Je ne peux pas dire. Là, la noire là, qui est juste derrière. Là. Oh, la Dodge. La Dodge. Oh, lolo. Et après celle-là, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a eu la Demon, une machine de fou. Ouais, bah de toute façon, ils diront en commentaire. C'est une Audi R8. C'est une TT. Oh, mais ça se ressemble les Audi R8 et les TT. Oh, pas du tout. Non. Pas du tout. R8 quand elle va venir. Ça, c'est une TT, ça. Les gars, me traitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Lui, c'est plus. Moi, je m'y connais un peu plus en voiture, en vrai. Ouais, moi, c'est moto. Bêtises, mais au moins toi t'es présent pour. Mais je suis présent pour filmer. Voilà. Là, vous avez la vidéo, c'est joli de voir ça. Alors, là, ça va être intéressant. Là. Une Audi. C'est une S3, ça. C'est une S3, ouais. T'es sûr? Je pense. Pour moi, c'est une S3. Oh là là, regardez la Dodge. Oh, oh là là là. Donne-moi l'escabeau, là, il sert à rien. JP Biker, il bave devant. Regardez. Les gars, je vais m'écarter un petit peu, sécurité avant tout quand même. Ah, c'est beau là. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça avance. Non, bah ouais, c'est les nouvelles voitures hein, en même temps. Ça non, mais par contre, ils ont pas changé leur silencieux non plus. Oh. Tu sais, ça c'est quand t'as la gastro. Tu sais, quand t'as trop envie et puis que le ça a P-Berne. Du mal à sortir. Ouais, quand ça a du mal à sortir, tu sais. Elles sont belles toutes les deux. Hein. Mm.
Répondez-moi dans les commentaires. Au bout de 3 launch control, tu perds ta garantie. Dans la voiture ? Ouais, le constructeur, il décline toute responsabilité au niveau de la garantie. Parce que tu pètes tes boîtes. Pas le constructeur. Si, il le voit. Hein, t'as un nombre, tu sais, en gros. C'est pour les voitures neuves, alors. C'est calculé, ouais, c'est ça. Bah, t'as un tableau de bord, bah, c'est électronique, hein. De toute façon, dès que tu l'actives, tu sais, ça fait un compteur du nombre de fois que tu l'as utilisé. Ouais, mais bon, dans ces cas-là, n'achetez pas de voiture neuve pour faire ça, les gars. Bah, si, non, le constructeur, il le dit à la base. Tu vois, il dit, écoutez, au bout de 3, il n'y a plus de garantie. Ouais, après, bah, c'est un peu normal aussi, quoi. Oh, il va falloir une vitesse. Ah, allez, elle s'est remis au net. Elle a un bon turbo, elle. On l'entend bien. La petite lumière qui s'allume. 1000 HRC. Ah, ils se mettent en départ à 2 ou 3. Bah, elle est super belle, sa moto, sinon. C'est quoi comme moto, Jean-Paul ? C'est une Honda 1000 HRC, blablabla, je sais pas quoi. Les gens, ils le diront en commentaire, mais c'est la Rolls-Royce de la Honda, quoi. Je crois que la moto, elle coûte plus de 30 000 balles. Elle est belle, la Seat, occupant. J'aime bien. Lui, je l'aime bien, ce monsieur. Si tu vois la vidéo, vers toi. Énorme respect. Tu m'as bien accueilli il y a 3 ans. Regarde, c'est Lucas. Allez, tu gères, hein. Hé, hey, Lucas, allez à fond, là. Elle peut voir. Ah, la petite Toyota Supra là. Elle est magnifique, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'intercooler devant là? Ouais. Oh. Elle doit être bien préparée aussi celle-là. Ouais, monstrueuse. C'est une RHD. Ma. Tu penses qu'elle fait combien? Bon, tu vois, là, c'est que. Je pense pas qu'elle fait 1000 chevaux vu comment elle résonne. Je pense pas, mais elle doit faire minimum les 600 chevaux, je pense. Ouais, elle est un petit peu préparée. Un petit peu préparée, je pense. Fait combien? Bah, déjà d'une, j'ai vu ceux qui font. Ouais, ils peuvent les pousser à 1200 chevaux, alors je sais pas. Ouais. Mais j'ai déjà vu ceux qui sont poussés à fond, ils ont pas de pare-choc à l'avant. L'éthanol. Ouais, je le sens. Et où l'éthanol? Dégaine 4 RS face à Clio 3 RS. C'est la Cup, je crois, en plus. Le washer par choc. Après, ça peut être écrit, puis c'est possible que ce soit pas la Cup. Les Clio et tout, pour les différencier des Cup et des non-Cup, c'est assez compliqué. Bah, t'as filmé un monsieur à lunettes, là, qui ouais, David, ouais. Même que tout le monde y sautait de lui. Ouais, vous êtes pas sympa. Alors que tout le monde se fout de lui, mais ils sont même pas capables. 70% des gens qui sont là sous de lui, ils sont même pas capables de passer derrière une caméra. Ouais, ou puis tout simplement, les gars qui viennent critiquer ça, ils roulent en vieille Twingo 1, hein, tu sais. On va arrêter parce que pour dire, ils se plaignent. Ils se plaignent encore. Ah, mais là, t'as vu, on n'est pas les seuls à réagir comme ça, hein. Même Elika, un monsieur que je suis depuis longtemps, c'est pareil, il commence à en avoir marre aussi des réflexions des gens parce que ça commence à être lourd. Et bizarrement, je suis sûr, il y en a, ils viennent pas nous le dire en face, bah alors les coucous, c'est bizarre, hein. Les deux chiottes ensemble, Renault contre Renault. T'aimes bien Renault sinon? Non. Moi non plus. Pas que les anciennes que j'aime bien. J'en ai une de Clio, une Clio 3. J'ai pété le moteur à 200 000 km. Moi j'aime bien BM, Mercedes. Ouais. Audi. Audi, pas trop. Moi j'ai BM plutôt. BM. BM. Mais Renault, non. Mais bon, tout, après, voiture de rêve, c'est soucis, pas ça. Hein, tous c'est les pas soucis qu'on a eu avec des Renault. Oh, et si il y a une seule Renault qui est bien et qui est excellente et qui restera pour toujours la meilleure voiture de l'année 2023 et même des autres années, c'est la Express. Renault Express. La bouffeuse de C15. Là, d'ailleurs, en exclusivité, vous m'avez chauffé hein, dans les commentaires. Hein. Vous mettez 3 boules dessus. Bah moi je vais en mettre 4, je vais l'écrabouiller l'auto. Bon là la safety car elle arrive parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose sur la piste. C'est ça hein, Tony, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Le monsieur qui a dit qu'il y avait un morceau de ferraille sur la piste. Là on a la belle petite HP4, bah deux HP4. C'est les deux mêmes? Non pas vraiment, on a une qui est plus préparée que l'autre. Et celle-là je crois elle a gagné il y a 2 ans ou même l'année dernière, je sais plus. Elle est magnifique sa moto. Allez là, donnez-nous de l'envie les gars. Elle est belle hein, son HP4. Ouais. On pourrait le prendre en photo mais mon appareil il est remis sur le stabilisateur alors ça va être assez compliqué. Il y a beaucoup d'investissement hein, dans cette moto, ça se voit. Hein, Ouais. Et t'as vu, elle est nickel, il n'y a pas un pet de gravillon sur les jambes, nico ni caisse. Petite Supra. Encore. Ah la
ça c'est une Audi R8, Tony. Ah, c'est une TT, ouais, t'avais raison. Je vais me faire traiter dans les commentaires, les gars, m'en voulez pas, franchement. Moi, je viens, c'est pour filmer, pour vous passer un bon moment derrière la vidéo, c'est tout. Il y a une salade de soupe. Oh, regarde, regarde. Salade de soupe. Ça y est, soupape, ça a fumé. T'entends? Ouais, oh. Elle a pas aimé la voiture. Bon, partie 2, là on a été manger au BK et là on se retrouve au niveau du banc de puissance. Ah, c'est un GSX-R qui vient de passer. Oh, ça c'est beau, c'est quoi? C'est une R1 avec la petite déco M1 dessus. HP4, non, une S1000 R1. Ouais, si, c'est une HP4, non, je sais pas. Non, c'est pas une HP4, c'est une S1000 R1 lambda. Ça te coupera, on dit S3. RS3. Eh, c'est quoi, c'est une S3 ou une RS3 la voiture là? Non, c'est une S3. Une S3. Ah, ils font en format. Berline. Il y a différents formats. S3, ouais. S3 berline. Ouais, Sirocco, t'es hâte. Mitsubishi, tout à l'heure on l'avait vu avec l'échappement qui sort là, sur le dessus du capot. Là. Mazda. Oh là là, regardez. Elle est magnifique. Oh. Eh, t'as vu la largeur? T'as vu la largeur, Tony? Eh, c'est la Demon? Non, c'est vrai? Bah, je crois, ouais, il y a le sigle dessus. Eh, ça vient de chez nous. Regarde la peinture, regardez la peinture, les gars. Je sais pas si ça va se voir, c'est un acre. Elle est verte à l'origine. Non, elle est sombre, et en fait avec le soleil, je sais pas si ça se verra à la caméra, on voit les reflets, ça fait un acre. Regardez. C'est une Demon. Petit propriétaire, voilà la vidéo. Oh, il y a les jantes et toutes sorties là. Mégane 3 RS. Ouh, ça c'est bien préparé ça. C'est très très bien préparé. T'as vu le turbo, il est pas d'origine? Non, bah non, c'est pas grand chose d'origine sur la voiture. Ce n'est point d'origine, mon copain. Ah, là c'est une Clio 4 RS. Il y a quoi de beau là-dedans? T'as vu le... Ouais, l'admission d'air là? C'est renforcé ça. Oh, t'as le carbone et tout, mon gars, laisse tomber. En carbone. Toujours bien aimé. Regardez la beauté, les gars. Non. Ça change de l'express, hein? Ça change de l'express, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es sérieux ou quoi? Oh, c'est un cheval de guerre, les gars. Oh. Regardez. Là, c'est quoi, là, Tony, là, ça? Ça, c'est une R8. Audi R8. Avec l'aileron, là. T'as vu l'échappement en centrale? Regarde la taille des disques. Regardez la taille des disques, les gars. Oh. Et regardez, ça fait la taille de la jante. Carnage tout. Eddie avec son pull la boiserie, fidèle au poste. Mais je crois que c'est le seul avec son pull la boiserie. C'est là l'année dernière, bah, on en parlait tout à l'heure. Ah oui, ouais. GTI et la Mégane 3 RS. Ouais, là c'est 63S. Pour moi, c'est une des plus belles en niveau esthétique. Ouais, elle est belle. T'as vu l'arrière, il est. Genre, ça redescend fort, tu sais. Ah ouais, c'est une forme aérodynamique. Ça fait une cambrure, c'est beau. Hein. C'est vraiment pour laisser passer l'air. Hein. C'est, bah, c'est une voiture de sport. Hein. La sonorité, j'ai l'impression que tu sais, ça fait un tigre, enfin pas un tigre, un lion. Mais regardez, un bar régime, c'est un truc de ouf, hein. C'est calme. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Bonjour, c'est... Bonjour. T'es monsieur d'il y a 3 ans, il m'a super bien parlé. Hein? Ouais, il est super gentil. Eh, regarde les admissions, toi. Ouais, la rue d'admission, laisse tomber. Regardez l'admission, là on voit pas. On est sur quoi comme voiture? C'est une C63S Mercedes. Ok, et comme préparation dessus? Une carto, un filtre air et puis un D4. Ok, d'accord. Et ça sort combien? Plus ou moins 700, quoi. 700 chevaux. Y a de quoi 700 faire, hein. Chevaux propulsion. Y a de quoi faire. Belle voiture. Donc c'est MPE, c'est ça? Ouais, c'est MPE, ouais. C'est basé où? Champagne-sur-Oise. Champagne-sur-Oise, donc vous êtes dans la reprogrammation? Oui, c'est pas moi personnellement, hein, c'est Alexis, en fait. Ouais. Je travaille chez MPE. Eh, c'est calme, hein, allez. Ouais, mais t'as vu, on dirait un lion. Mm. Tu sais, les rugissements d'un lion. Putain, la GTI, là, oh lolo. Les Gun 3 RS gris, t'aimes bien la couleur? Ouais. Avec le toit en noir. Ah, elle sort du lot, justement, parce que c'est un beau gris, c'est un gris clair. MTR Motorsport. Bonjour. Elle est belle, celle-là. Dessus, il y a un Stage 4, ouais. Qui a un turbo GTX 2863, bloc forgé, une bi-injection, et ça sort 390 chevaux. D'accord, et d'origine, on est sur combien? 220. 220, ça marche. Bah, très belle voiture. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Espèce de vieux chacal, t'as vu une voiture de sport, ça y est, t'oublies tout toi. Bah, alors, c'est une interview. Ouais, voilà, t'es une misto. Même Teddy l'a dit. Regardez les gars, la ligne qui dépasse du capot, c'est marrant. Et par contre, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, vous avez Ils ont démoli quelque chose. Ferraille et tout, je sais pas c'est quoi. Faut que je vienne là. Bah, là, il y a de la ferraille, hein. Tu vas te faire la thune. Et imagine, c'est du cuivre. Non. Là, moi aussi, je pourrais rouler en Mercedes. Imaginez les gars, tout ça, c'est du cuivre. Bah, là, au soir, y a plus rien. Bah, même avant, hein, t'inquiète pas. Ah, le
crache de l'essence. Ouais. T'as vu comment elle a craché de l'essence? Je sais pas si c'est de l'essence ou si c'est de la condensation quand c'est comme ça. Une fois l'année, c'est pas assez une fois l'année. Mais non, c'est mieux que rien. Ils devraient le faire plusieurs fois. Hein, parce qu'après, au moins, ils arrêteraient de se plaindre qu'il y ait des runs sauvages et tout ça. Ouais, ça calmerait un peu les gens. Ah oui. À l'ivo, hein. M4, M3, M4, M5. M4, ouais. M4 ou M5. Ouais, ils font ça pour le cultivateur, je pense. Non, puis même, c'est pour la sécurité. Ah, mais la sécurité, nous, on est derrière les barrières. Oui, mais nous, on a signé le papier qu'on est bien conscient. Si jamais il y a un problème, c'est notre responsabilité. Ouais. Eux, ils ne l'ont pas fait. À mon avis, si les personnes là, tu vas leur demander de signer un papier comme ça, ils vont te dire non. Ouais, parce que là, les gars, à savoir, nous, on est juste derrière les barrières, mais si jamais il y a une voiture qui tape, nous, on n'est plus là. Hein. Voilà. Donc, en fait, en gros, ils se dédouanent de tout. Nous, ouais. Nous, on prend le risque nous-mêmes de le faire, mais eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Bah, puis nous, on peut le faire parce qu'on filme. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on filme aussi. Attention. N'importe qui, moi je suis rentré là, c'est grâce à JP Biker, hein. Sinon je serais pas rentré. J'adore quand tu dis ça. Quoi. Ça fait un peu, tu vois, t'es le la gars, star. Ouais, la star, alors que non, pas du tout, quoi. Ah quelqu'un si, comme un autre. Ouais, mais c'est vrai, ouais, mais c'est pas parce que voilà, après, je. Enfin... Oui, mais t'as une certaine notoriété. Oui. Demain, tu vas arriver là, un petit bleu de la campagne, il va arriver là, il va dire, hey, coucou, toi, je peux rentrer. Bah, ils vont dire non, c'est normal. Ouais, enfin. C'est normal, ouais. Sinon, bah, dans ces cas-là, là, de l'autre côté, il y aurait plus personne, et puis bah, il y aurait tout le monde ici. Hein. Ouais. Les motos viennent d'arriver. Du couscous. J'aime bien les feux là-bas, regarde, ils sont super beaux. C'est quoi, c'est des LED? Ouais, ça a l'air d'être une barre de LED sur le côté. Ah, ça change le look de la voiture, j'adore. Avec les petits traits là, tu sais, en dessous. Ouais, c'est joli. L'Express, elle le fait aussi un coup de temps. C'est bon, les gars, je vais sortir une petite blague, hein, calmez-vous. Avant, sur le bon coin, jamais non. Jamais si c'est dans le papier. Ça va être de soupape à prévoir. Temps de chauffe respecté. Même si t'as dit que c'était une blague, tu vas te faire fusiller. Ouais, je pense. Ouais, bah pourquoi tu ramènes ta bouche? Ça va le faire. Faut que tu ramènes ta science. Ah, il y a 3 ans, franchement, c'était pas loupé. Hein. Oh, le petit auto, il envoie des photos à sa copine. Bah oui, hein, il faut, hein, je veux faire l'hygiène. Ouais, il veut faire l'hygiène. Allez voir les vidéos de. Comment il s'appelle lui déjà? Ah, j'en sais rien, mais il est trop bien lui. Ouais. Qui s'est régalé rien du tout, chounette. Ce qu'il veut, c'est pas te vexer, parce que ce qu'il a envie le soir, c'est de faire l'hygiène après sa partie de Call of Duty. Tu comprends? C'est dégueulasse. Regarde-moi ça, le fromage coule de partout. Mais arrête de me faire pouic. C'est pas parce que ça fait pouic que c'est moelleux, que c'est bon. Un matelas, c'est moelleux, mais si je le mange, c'est pas bon. Qui est au 4RS? Attention. T'es trop engueulé quand c'est ça. Ah ouais. Moi c'est pareil, ça m'est déjà arrivé. Bah attention, c'est assez compliqué, hein. On n'est pas sûr. Faut comprendre aussi, puis bah t'as la pression, il y a plein de gens qui te regardent, ouais, et tout voilà. Ça, t'as pas envie de casser ta voiture. Hein. C'est ça, et donc ça m'est déjà arrivé, c'est pas facile. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, c'est quand les deux petites lumières en haut elles sont allumées. Regarde, là en fait derrière les plots, t'as des petits capteurs qui se mettent au niveau de tes pneus en fait. D'accord. Oh. Bon bah ça reste du Renault. Hein. Ils vont me dire oui toi tu roules avec une Express à 500 balles et tu critiques une voiture à 30 000. Ça c'est quoi Tony, une M3? Une M3. C'est une M3 marqué, oui. Ouais. C'est marqué sur la calandre. Tu sais maintenant les constructeurs ils vont voir mes vidéos, ils vont marquer en gros. C'est ouais. Sur la calandre. Pour les bleu alias JP Biker. Ah monsieur est concentré. Hein. Un boulon de 13, il m'en faut lire en plus. C'est peut-être une des barrières. Bon, mais maintenant c'est à moi. Oh, c'est chaud. Oui, c'est à moi maintenant. C'est une voiture qui l'a perdue? Non, je pense pas. Bah ouais, c'est peint. C'est une voiture qui l'a perdue? Ouais, bah merci. Qu'est-ce que j'aime
que tu fais? C'est quoi? Je ramasse des boulons. C'est un boulon, ça? Bah oui, c'est un gros boulon. Regarde. Et tu as mon boulon? Montre à la caméra. Bah moi, je vais être refait, je vais mais partir. Mais c'est la barrière, laisse-le. Mais non, c'est pas la barrière. Bah tu le donneras à l'organisateur. Non. Bah si. C'est mon boulon, ça vient de classe. C'est un souvenir. Voilà, je vais le mettre dans la vitrine. Il faut le tenir un bout de bras comme ça, le bordel. Oh, tu m'étonnes. Faut avoir de la force dans les épaules. La muscu, ça sert. Tu penses qu'il était à combien quand il est passé devant nous? Ouais, il était déjà plus de 100. Tu balances ton portable quand il passe? Le téléphone challenge, on va appeler ça comme ça. Référence les gars. Pizza. Bouge pas. Vas-y, refais-le. Pizza. C'est dans quoi les gars? Allez, les bons ils vont deviner. Là, il y a des belles bêtes là. Hein. Ça donne quoi quand je fais ça comme ça? T'as une tête de gremlin. T'as vu, j'arrive même à me filmer moi-même. Oh, wow, t'as vu bien le turbo, hein. Le compresseur. Je crois qu'il n'y a pas plus puissant. T'as vu comment elle est arrivée vite? Ça veut rien dire. Ça marche. J'en veux une. Bah travaille. Par une. Je vais vendre mon boulon. Allez, je le vends. Je l'échange quand une Dodge SRT. Il vient de clatre, hein. Attention, rigole pas. Hein. J'ai vu Boiserie faire un bisou dessus. Ouais. Oh bah là, laisse tomber. Là, les femmes, elles vont se ruer. Une piscine de cyprine, carrément. On m'envoie des messages qui tombent du ciel. Non, mais tu sais que là, le début de sa vidéo, pendant un moment, il parle d'une fontaine pleine de cyprine, tout ça. C'est pourquoi il dit ça? Je serais certain, sur Instagram, tout ça, il doit recevoir des messages. Oh bah, s'il a une copine, bah je pense qu'il doit en avoir une, d'ailleurs, V à toi, grosse pensée à toi, parce que ça doit pas être simple. S'il a une copine, attention à la concurrence qu'elle doit avoir. Oh oui. Et tout le monde, au début, tous les gens, ils faisaient quoi? Tout le monde, ils se foutaient de lui, je l'ai su. Et moi, je le suis depuis tout début. Bah ouais, moi aussi. Non, pas tout début, je crois, il avait 20 ou 30 000 abonnés. Moi je le suivais, il venait toujours d'avoir sa E46. Bah, au tout début, filmé par Akram. Au tout début, c'était des vidéos sur Facebook. Oui. Et sur Snap. Choqué, mais vraiment, elle m'a vraiment choqué. C'est quand il plante la belle BM dans l'arbre. Ouais, bah il y en a qui m'ont énervé. Quand il est passé, les gars, je vous jure, l'échappement il résonnait contre la barrière. Ça a fait une vibration, j'ai senti aussi. Ouais. Ça a vibré. C'est mon K-Rider qui est venu il y a pas longtemps ici. Je sais pas, je connais pas. Si, il est venu avec son Hayabusa. L'Hayabusa Turbo? Ouais, avec Jimmy Supra, ils sont venus. Ça c'est Chris RS les gars. Ça fait un de ces bruits, ça. Ouais, pas du 4S. Les Ducati c'est un bruit rien qu'à eux, hein, t'as beau faire. J'ai vu sa dernière vidéo où il présente sa moto, il dit que en fait c'est bien et tout, ça envoie, mais par contre ça chauffe beaucoup trop, il est obligé d'écarter ses jambes parce que tu sais il a des surplus de chaleur au niveau de ses hanches. Il disait que c'était infernal. Regardez les gars, magnifique 1290 Duke. La peinture elle est magnifique. Oh là là, le beau nacre. Regardez celle-ci en béton, les gens en béton comme ça là. Oh là là. Et il a dû s'éclater le carrossier à faire les teintes blanches. Tu vois quand genre c'est orange, les bâtons ils sont blancs. Et quand c'est blanc, les bâtons ils sont orange. Allez là, là on a charcé. T'as mis le je sais plus quoi, CBR à charcer, je sais pas quoi là. Ouais, la couleur elle est forte. Non, la couleur je pense pas que c'est d'origine ici, c'est pas d'origine là. Pas d'origine? Non, ça c'est pas d'origine. Le petit sticker alien fuck. Oh là là, la BMW là. Oh, regardez les ailerons qu'il y a dessus. Putain, la ligne elle est bleue. Regardez la ligne. Elle a bleui. Joli Renault 5 Turbo les gars, regardez. Là elle est préparée rallye là, t'es dit. Attends, je voudrais pas te dire. Ouais. C'est préparé rallye là, non? Ouais. C'est préparé rallye. Oh lolo, regardez. Le kit carrosserie c'est fait main ou c'est fait par qui? En fait c'est une voiture d'origine comme ça, je crois qu'elle a été accidentée. Alors elle a été accidentée cette voiture. Ouais. Et le mec il l'a tout refait lui-même. D'accord. Tout refait lui-même. Elle a été accidentée côté droit. C'est dommage, il a les photos. Mais si je le recarte, je lui demanderai qu'il ouais, vas-y. Les photos.
Et il y en a plusieurs de voitures comme ça, mais... Bah de toute façon, si tu vois la vidéo que t'es intéressé pour une présentation, tu m'envoies un message sur mon Instagram. Ouais, le volant, tu... Ouais, c'est une rallye, regarde, t'es dit. Tu peux enlever le volant, tu peux le remettre et tout, avec les sièges par cou et tout. Ah, elle est belle, elle est super jolie. Timonier Ragnotti. Il fait du rallye avec le monsieur, non? Non, il l'a refaite. Il l'a juste refaite, ouais. Ouais. C'est quoi le truc derrière la grosse boîte? Ah, c'est le moteur. C'est le moteur, il y a l'arrière, moteur de l'Alpine dedans. De quoi? Je sais pas si tu vois. Bon, on va voir un petit peu. Donc le moteur de l'Alpine, ça c'est les refroidissements. C'est des vraies aérations ça du coup? Ouais. Je vous fais une vue écartée pour que vous voyez mieux. Voilà, elle est belle. Sponsorisé Philips, Elf, Michelin. Elle est propre. T'as vu? Pour ouvrir et fermer, t'es dit, regarde, c'est des goupilles. Les pneus, c'est du coup.